Et oui les gars, la saison s'achève. Une magnifique saison. Petite musique portugaise pour s'ambiancer. Alors portugaise Dijon, aucun rapport hein. C'est pas une dédicace à Sheka, sois bien d'accord. J'avais juste envie un peu de m'ambiancer les gars avec vous. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait de débrief en plus. Regardez, j'ai laissé pousser les cheveux. Ah putain les gars, une magnifique saison qui s'achève avec le DFCO. Un match émouvant hier. Bien sûr un match émouvant parce que notre capitaine emblématique Cédric Varro, après 7 saisons passées au club, voilà, nous quitte. Je pense qu'il a encore envie de jouer. Il va partir, je pense, du côté du sud de la France, du côté de Nice, rejoindre sa famille. Il va peut-être trouver un dernier challenge. Mais voilà, pour lui, ça s'est terminé samedi soir, de la plus belle des manières, où il est venu en tribune Nord, tribune céréale avec Lincoln, pour glisser un petit mot. Il y a eu le cri des Dijonais qui a été fait avec les Lincoln. C'était vraiment un super moment pour ceux qui, comme moi, étaient en tribune Nord. Et c'est vrai que ce match, voilà, un match sans enjeu. Et c'est vrai que jouer un match, le dernier match à domicile sans enjeu, bah c'est magnifique parce que tu profites, tu joues sans pression. C'est vrai que ce petit match, en plus, moi, j'étais heureux parce que mon petit homme, mon fils, il avait la chance de rentrer avec les joueurs. Et regardez, il fait la une. Il est là, il fait la une du journal du dimanche. Donc franchement, je suis content pour lui. Ça fait un, pas grave, ça fait un beau souvenir. Et vraiment, voilà, le match, j'avais hâte que le match commence. Alors le match, on va en parler brièvement parce que fin de saison en soi, on s'en fout du dernier match. En plus, on a gagné 2-1, magnifique. Mais voilà, c'était pas le match qui va rester dans les annales, tu vois ce que je veux dire. Angers a pas trop mal dominé. Angers, je pense, aurait mérité de repartir avec le point du match nul. On va ouvrir la marque à la 22e par City. Un festival sur le côté gauche comme il sait le faire. Il va tirer. Le ballon va essayer d'être dégagé par un défenseur angevin. Ça fera 1-0. Le but sera attribué contre son camp au défenseur. Alors, j'ai jamais compris cette histoire-là parce que normalement, on dit quand la frappe est cadrée, il l'attribue au joueur. Là, le ballon était cadré, mais bon, il l'attribue en contre-camp. Donc, bref, c'est pas grave. Voilà, René, en fin de première mi-temps, nous sauvera par deux fois de l'égalisation angevine. Pardon. Malheureusement, ils reviendront au score à la 53e, un but partout, avant que notre goleador de la saison, le meilleur buteur de la saison dijonnaise, il est beau, il vient du Cap-Vert. C'est notre Julio Tavares. Et oui, l'inévitable Tavares va marquer son 12e but de la saison sur une offrande de Sliti. Ça fera 2-1. Voilà. 83e minute. Sortie de Cédric Varro. Voilà, sous une ovation, sous les applaudissements, sous les banderoles de sa famille. Voilà, un grand moment super émouvant, en tout cas pour le DFCO et pour Cédric Varro. On s'en souviendra, je pense que tous ceux qui étaient présents dans le stade s'en souviendront. Un grand bonhomme, un grand monsieur, voilà. La hargne, voilà. Il a fait les beaux jours du DFCO. La fête aurait peut-être pu être un petit peu gâchée, parce qu'en fin de match, voilà, par deux fois, Angers touche les montants. À la 88e, c'est René qui détourne sur son poteau, et la barre tremblera deux minutes plus tard. Mais voilà, c'était écrit que le dernier match de Varro au DFCO se terminerait sur une victoire. Donc la saison s'achève magnifiquement avec cette 11e place. Et oui, une magnifique 11e place pour le DFCO. C'est magnifique. Les féminines, quant à elles, ont fait un tour d'honneur en début de match car elles accèdent à la première division féminine. Donc c'est vrai qu'on va avoir nos deux belles équipes l'année prochaine dans l'élite du football français. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien, ça va encore faire plus parler de Dijon. Donc je suis vraiment heureux en tout cas que voilà, que notre ville puisse faire parler d'elle de la plus belle des manières. Malheureusement, c'est vrai que la saison s'achève. Ça me fait toujours chier parce que c'est vrai qu'on a toujours faim de match, on a toujours faim de but, on a toujours faim de victoire. Moi j'aime ce ballon,
ce ballon, j'adore ça. Et c'est vrai que quand il arrive la période d'été, eh ben, je suis un peu comme un con. Mais bon, va falloir faire avec. Dans quelques jours, les gars, il y a la campagne de réabonnement qui va se lancer. Donc surtout, ben voilà, faites le nécessaire pour que le stade soit encore plus rempli, qu'il y ait encore plus d'ambiance. Voilà, contactez les groupes de supporters, que ce soit les Téméraires ou les Lincoln. Voilà, allez-y, faut remplir ce stade, faut faire plus d'ambiance, faut faire plus de bordel. Donc voilà, faites le nécessaire, les gars. Et voilà, mais même si la saison s'achève, dites-vous une chose, les gars, ce n'est pas fini. Et bien sûr, les gars, c'est pas fini. Et bien sûr, c'est pas fini. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Alors, je t'ai ressorti le maillot vintage et le maillot de France 98. Et oui, papa, avec les signatures, les petites signatures des joueurs de l'équipe de France de l'époque. Celui-là, je le garde précieusement, je te le dis. Et oui, la Coupe du Monde va commencer dans quelques jours. Alors, c'est vrai que, comme je disais, les périodes estivales en général, j'aime pas parce qu'il y a 2 mois sans rien et 2 mois où je me fais chier. Mais là, il va y avoir la Coupe du Monde. Donc, à la limite, j'aurais que peut-être que quelques semaines, quelques jours à attendre avant que la saison reparte. Avant que les reprises des clubs de Ligue 1 se font, la reprise de notre DFCO. Mais en attendant, on va tous vibrer pour l'équipe de France. On a vu les sélections, la sélection de Deschamps des 23 pour cette Coupe du Monde. Voilà, on va tous être derrière eux, on va tous vibrer. Et là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de DFCO, de telle équipe, telle équipe, telle équipe. Voilà, tous comme un seul homme, on sera derrière notre patrie, les gars. Et oui, derrière notre drapeau. Et on espère qu'ils vont faire un beau parcours, qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà, j'ai envie de te dire, au moins en demi-finale, ça serait pas mal. Mais bon, dans le football, voilà, c'est toujours compliqué. C'est jamais simple. Donc, les gars, moi, en tout cas, j'essaierai de vous donner des nouvelles pendant cette Coupe du Monde. Je ne sais pas encore, sincèrement, si je continuerai à faire des vidéos parce que ça me prend du temps. C'est vrai que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Donc, voilà. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. On verra si je continuerai les vidéos pour la saison prochaine. Voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça, les gars. Passez une belle Coupe du Monde. Passez de bonnes vacances. Et on se retrouve à la rentrée, les gars, pour vibrer à nouveau avec le DFCO. Allez, les gars, bonne Coupe du Monde! Et allez, la France et le DFCO, les gars!